pardon. Je sors tout juste d'une séance d'entraînement. Bon, que se passe-t-il aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler des tortues. Comment les tortues de mer vivent-elles? C'est parfait! Ça me convient parfaitement! Les tortues sont des reptiles, comme les serpents et les lézards. En fait, ça veut dire que ce sont des animaux à sang froid. Leur corps est à la même température que l'eau. Si le thermomètre affiche 17 degrés, par exemple, eh bien, le corps de la tortue sera à 17 degrés lui aussi. Oh là là! Mais elles sont énormes! Amis téléspectateurs, si vous avez une tortue d'aquarium, prenez garde qu'elle n'envahisse pas votre chambre. Mais non, Whoops! Il existe 250 espèces de tortues différentes. Celle des aquariums, comme tu le dis, est une espèce qui vit au bord des rivières. En revanche, la tortue que tu vois là est une tortue qui ne vit que dans la mer. Elle peut mesurer 1,50 m à l'âge adulte et peser 230 kg. Bah dis donc, elle est pas très jolie, hein? Et puis sa carapace est vraiment en mauvais état. C'est vrai, mais c'est parce qu'elle est très vieille. Les tortues peuvent vivre plus de 100 ans. Et à propos, les tortues sont très résistantes. Elles existaient déjà à l'époque des dinosaures. Elles font donc partie des animaux les plus anciens sur la Terre. Intéressant. Pour mon anniversaire, je vais demander une carapace, alors. C'est noté. Regarde. Ça, c'est une tortue lutte, la plus grosse espèce de tortue de mer. Elle peut mesurer 2,10 m et peser jusqu'à 540 kg. Et justement, il y en a une qui va bientôt pondre ses œufs sur la plage. Regarde. Mais qu'est-ce qu'elle fait, là? Elle est en train de creuser pour cacher ses œufs. Elle en pond en général une centaine. Recouvre le trou comme si de rien n'était, puis s'en va. Hein? Quoi? Elle les abandonne? Disons plutôt que, désormais, c'est à eux de se débrouiller tout seuls. Les œufs restent 2 mois sous le sable, et puis, un beau jour, les petites tortues sortent et rejoignent la mer. Et qu'est-ce que mange la tortue de mer? Elle raffole des calamars et de tous les animaux dépourvus de squelettes. Elle mange même des méduses. Est-ce que tu connais le prédateur numéro 1 des tortues? Je sais pas, l'homme? Bravo, Whoops! Ça change! En effet, bien que ce soit formellement interdit, certains humains continuent à chasser les tortues pour leur chair et leur carapace. Il faut les arrêter! Ça, c'est un travail pour Giga Whoops! Heureusement, il y a déjà beaucoup de gens qui s'en chargent. Super! Alors, je vais aller continuer mon entraînement. Wadja! À la prochaine, les terriens! Comment vivent les tortues de mer? Les tortues de mer sont des animaux à sang froid. Elles mangent des animaux sans squelette et peuvent vivre jusqu'à 100 ans.